Déjà que moi, je viens d'une famille mixte, donc un père musulman, une mère chrétienne, c'était déjà prédestiné. Bon, j'ai vécu une enfance un peu tiraillée quand même entre à qui j'appartiens en fait, qui je suis et tout ça. Et moi, en fait, j'ai fait mon propre cheminement et j'ai choisi. J'ai choisi que moi, c'est tout ça. Et moi, c'est toutes ces identités-là multiples et dont je suis fière. Et puis, je sais exactement ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et je sais que je ne peux être que libanaise. Je ne suis pas chiite, je ne suis pas maronite. Je suis libanaise. Quelle que soit l'époque, la culture, la religion, la classe sociale, l'âge, le genre ou encore la préférence sexuelle, l'épineuse question de l'identité agite les consciences depuis que l'homme est homme. Et bien plus encore, à une période où l'hypermondialisation nous entraîne dans un entrechoquement permanent de cultures et une mixité grandissante. Le Liban en est l'illustration parfaite. Les Libanais charrient constamment sur leurs épaules une tripotée de qualificatifs pour définir leur identité. Il semble donc difficile de créer un consensus autour d'une appartenance commune et de faire société dans cette nation mosaïque. Mais au juste, c'est quoi être Libanais? Une chose est certaine, chaque Libanais a son Liban. Yarné, saison 2, aux confins des identités. Une nouvelle série de podcasts réalisée par Sarah Younan et produite par l'Agenda Culturel. Épisode 3, la révolution des consciences. Suzanne Abourjaili, professeure et chercheuse en sciences de l'éducation, est un esprit libre dans un pays gangréné par les divisions. La révolution a été pour elle le signal d'un ralliement de tout le peuple libanais, indifférencié, et d'une prise de conscience générale, l'émergence d'une identité citoyenne. C'était libanaise, elle est tout sauf homogène. Donc c'est à partir de ce postulat-là, quoi, qu'il faut déjà partir. Quand on dit il y a une diversité de communautés, oui, mais à l'intérieur des communautés, c'est aussi en fait la lutte entre les classes sociales et puis les différentes sensibilités, on va dire, au niveau socio-économique, socio-culturel, donc au sein de chacune des communautés, je dirais comme toute autre société. Sauf que ici, on va dire, on utilise tout type de diversité, on le met à profit pour, je veux dire, au service de ces chefs politiques, quoi. Donc, on joue doublement, d'une part sur l'appartenance communautaire et d'autre part sur le background socio-culturel et socio-économique des gens au sein de chaque communauté. Ce qui fait que, bon, chaque chef politique va essayer de rassembler autour de lui les plus, on va dire, les plus puissants, quoi, les personnes qui ont un certain capital, surtout financier, bien sûr. Ça peut être parmi dans la diaspora ou autre, les détenteurs de, on va dire, de banques, d'industries, etc., donc résidents locaux. Et puis, ils vont faire de sorte à mettre en place des institutions éducatives, caritatives, etc., avec le soutien de ces personnes-là, pour pouvoir mieux asservir en fait les plus démunis de cette communauté-là. Ils pérennisent en fait leur pouvoir parce qu'il y a une dépendance des plus démunis envers ces personnes-là, ces clans, on va dire. Et puis aussi une dépendance des plus riches, des plus favorisés, parce que bon, ces chefs politiques, ils vont leur rendre ça en service d'ordre législatif, vous voyez, ils vont faciliter leur business, voilà, avec tout ce qu'ils détiennent comme privilège. Et donc, c'est de cette manière que, voilà, ça se reproduit finalement. Après, ce qui s'est passé au niveau de la révolution, c'est que
Les gens sont sortis des différentes communautés. Alors, est-ce qu'ils sont sortis des différentes classes sociales? Je doute. C'est surtout en fait des classes moyennes et cultivées. Voilà, donc c'est donc un niveau, on va dire, assez favorisé au niveau plutôt socioculturel. Donc c'est une classe de personnes intellectuelles, on va dire, assez conscientes de toute la corruption, de tous les dégâts que la classe politique est en train de nous faire vivre. Avec ces personnes-là, il y a aussi eu d'autres personnes, si on va dire au niveau classe moyenne inférieure, qui ont parfois aussi donc été accompagnées par des personnes défavorisées, mais ces personnes défavorisées ont été vite rattrapées par les chefs politiques. Et donc c'est là que vite fait ils ont fait pression en fait. Pression, on va dire, au niveau idéologique, quelque part, je ne sais pas si il y a vraiment une idéologie, mais au niveau du vécu de ces personnes, on pouvait les menacer, on pouvait les rappeler à l'ordre en utilisant l'argument aussi religieux. C'est des kouffars, c'est donc des anti-dieux, quoi. Et c'est des alliés des ambassades, Amala Safarat. Et là, donc, ils ont vite donc recadré ces personnes-là. Donc, ceux qui sont, on va dire, ceux qui ont perduré, ceux qui ont persisté dans la rue, c'est donc cette classe qui n'avait pas encore été touchée de plein fouet par la crise débutée. Mais c'est petit à petit que lorsque, donc, ces personnes qui sont en général des salariés, finalement, des classes moyennes salariées, et qui ont été beaucoup plus affectés avec le temps par la crise, et donc qui ont dû aller se préoccuper de leur vécu quotidien, faire les files d'attente devant les banques, devant les stations d'essence, parfois donc aussi les aides caritatives à un certain niveau, quoi, parce que finalement ça commençait vraiment à manquer tout ça. Donc ils ont essayé de détourner en fait l'attention de ces gens-là avec donc la crise qui s'est vraiment accrue. Après, est-ce que ces personnes qui se sont retrouvées dans la rue, on va dire que c'est des personnes qui se ressemblent? Ce qui est, pour moi, ce qui est sûr, c'est que elles étaient des personnes insatisfaites. Insatisfaite et puis consciente de la profondeur des dégâts et puis des menaces que nous vivons pour la suite, pour l'existence de ce pays, quoi. Après, chaque personne a aussi ses sensibilités culturelles, religieuses, ses préférences, etc., ce qui est aussi tout à fait normal. Mais ces personnes se sont rassemblées autour de ces, on va dire, de ces idées qui ont été prônées par différents partis politiques. Et puis preuve en est, c'est qu'actuellement, là, il y a les listes électorales de la gauche, quoi, qui sont en train de s'unifier dans différentes régions, et ça, c'est une bonne chose. Donc, on avait commencé à perdre espoir quelque part, mais bon, ça commence à se fédérer. Et ils ont essayé quand même d'identifier certaines priorités communes. Donc, ils ont dit qu'on retrouve quand même on va dire, un dénominateur commun, un plus petit dénominateur commun, et qu'on parte sur ça, quoi. Et je crois qu'ils y sont arrivés quelque part. Après, bon, il y a toute la machine électorale qui n'est pas nécessairement du même calibre que ceux des autres. Et puis, les autres sont au pouvoir, ils détiennent tous les fils du jeu, quoi. Mais bon, c'est quand même, on est là, on s'affirme, c'est une prise de position, c'est. Et puis il y a certainement une partie du peuple qui votera pour ces personnes-là.
Mais bon, on sait aussi qu'il y a quand même la base là qui est plutôt défavorisée ou bon, moyenne inférieure, qui a été fortement récupérée par les chefs politiques ben, qui va les ramener au pouvoir. C'est surtout au nord, à Akar, que la population en fait qui est là, on va dire, qui est la plus désavantagée et marginalisée par ses propres chefs politiques, qui s'est beaucoup mobilisé, c'est ceux qui se sont le plus mobilisés. Parce qu'au sud, ils sont très cadrés par le Hezbollah. Et donc là, ils sont soutenus au niveau financier, ils touchent en fraîche dollars, et maintenant, ils touchent mieux qu'un prof universitaire. Donc, ils n'ont pas du tout à se plaindre actuellement, au contraire. Et là, au début du Ramadan, ils ont été noyés par les aides alimentaires, par le Hezbollah. Donc là, ils n'ont pas à se plaindre, ils ont été assez bien, on va dire, aseptisés. Et je crois qu'il va y avoir un certain changement politique au niveau du Nord, beaucoup plus que dans les autres régions, en fait. Parce que c'est la région vraiment la plus touchée par la misère, quoi, dans le pays, la plus délaissée aussi par ses chefs politiques. Ce qui a été mis en place par par ce mouvement, c'est, je dirais, irréversible. C'est irréversible. C'est la prise de conscience, en fait. C'est vraiment une conscientisation qui a été mise en œuvre. Je dirais, auprès aussi, là, on parle des classes d'âge aussi, des jeunes adultes, on va dire, donc, bon, 20-30, puis des adolescents, donc 15-25, je dis 15-20. Et preuve en est, les contestations contre l'autorité, de petites actions aussi, tu vois, de mouvements, de femmes contestataires, etc., donc des voix qui se sont élevées contre des injustices, contre des abus de pouvoir, etc., un peu partout dans le pays, et qui sont finalement la résultante de cette émancipation. Et c'est très prometteur, je dirais. C'est que demain ne sera jamais comme hier. Ça a nécessairement donc tracé une voie. Après, il y a eu aussi pas mal d'activités, d'initiatives qui ont été mises en place au niveau de la société civile, pas nécessairement uniquement au niveau politique, mais aussi même au niveau du développement social et du développement et du empowerment des femmes. Je fais partie de l'une de ces initiatives d'ordre éducatif, mais qui va dans le sens d'une école de la communauté. Donc c'est pour fédérer en fait toute la communauté autour de l'école et avec l'école, et pour que la gestion de cet établissement soit démocratique, voyez, et donc une sorte de partage horizontal des pouvoirs. Et donc c'est en train d'éclore comme ça, vous voyez, des actions. Donc ce qui est beau dans ce pays, c'est que on n'attend pas que le grand changement politique se fasse, mais on agit, quoi. Après, pour tout ce qui est donc impact à long terme au niveau du fonctionnement politique du pays, ça va prendre du temps, mais c'est là aussi que ça se passe, je veux dire. C'est là aussi parce que c'est aussi en train de créer une certaine, bon, on va dire, développer des compétences civiques, des compétences donc de réflexion critique, et donc le fait de prôner sa liberté d'expression, sa liberté de penser avant tout. Quand on est descendu donc au centre-ville là, de Beyrouth, donc à la place des Martyrs, on adorait se mettre par terre. On a senti qu'on s'est réapproprié l'espace, quoi. Moi, j'aimais pas la région là-bas. Je sentais que c'était sans âme. Ça a été complètement déformé par une urbanisation médiocre, quoi. Mais là, c'est quand on a construit les tentes, quand on s'est mis tous ensemble par terre à s'écouter, à dialoguer, etc.
on a senti qu'on est en train de... C'est notre espace, c'est notre lieu, c'est vraiment à nous ça. Et ces rencontres-là entre des gens venus de toutes parts et qui n'avaient pas vraiment de chance de se rencontrer autrement parce qu'on manque d'espace public dans ce pays finalement. Et c'était magnifique, quoi. On sentait qu'il y avait un certain enchantement, quoi. Et puis, ça nous manque beaucoup. Bon, vivement une nouvelle évolution, on va dire. C'était très touchant, quoi. On entendait cette vieille dame qui venait, en fait, crier sa douleur, qui avait perdu son fils, donc, avec le Hezbollah, et qui est venue, bon, crier contre le Hezbollah, parce que, bon... Elle a finalement, qu'est-ce qu'elle a gagné, elle, dans tout ça, hein? Et puis, bon, ce jeune homme qui venait du Raqqa, je crois, qui nous racontait comment il avait peur d'aller à Beyrouth, en fait, parce qu'on se moquait de son accent. Alors que là, il se sentait accueilli, voilà, pris en charge, c'est un regard positif qui est porté sur lui. C'est vraiment comme ça, de petites histoires, et ce sentiment de solidarité, et c'est, on va dire, ce langage commun qu'on a forgé finalement. Et ça continue au niveau des médias sociaux, tu vois. Donc on sait, il y a donc par exemple Saoura TV, qui sont en fait des reporters comme ça, on va dire, un peu improvisé, maintenant ils ont leur financement, mais qui vont par exemple accompagner les parents des victimes à chaque fois qu'ils vont faire donc un sit-in, etc. Donc ils sont là, il y a bon, des militants qu'on connaît bien sur leur page, on sait ce qui se passe, des groupes, etc. Et puis, il y a aussi au niveau même des télévisions, il y a des personnes qui sont devenues un peu des symboles, tu vois, qui, quand ils passent à la télé, ils parlent au nom de tous, quoi, de tous ceux qui ont participé à la révolution. On sait que c'est vraiment assez constant, quoi. Ça n'a pas vraiment changé, quoi. On tient toujours le même discours, je trouve. On se sent appartenir à un même groupe, finalement, au niveau de la manière de penser, de voir les choses, etc. Mais après, il y a besoin que tout ça puisse mieux s'organiser et puisse se transformer en action. Plus concrète au niveau qui puisse avoir un impact aussi sur le changement politique dans le pays, quoi. On est c'est pas simple, c'est très compliqué, surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre, quoi, au niveau du quotidien. Donc là, j'ai dû passer à la banque à 8h30 pour prendre un numéro, pour attendre 2 heures pour pouvoir retirer mon argent de la banque. C'est du gâchis, quoi. Je n'arrive pas à écrire ma recherche là parce que je suis tellement prise, parce qu'est-ce que je vais pouvoir retirer de l'argent aujourd'hui ou pas. C'est un manque. On est productif à 20% de notre énergie, on va dire. Mais on sait que ça ne va pas durer jusqu'à l'infini, on sait que ça va finir un jour. Mais on sait qu'il y a aussi des efforts à faire de notre part pour y arriver. C'est l'une des problématiques essentielles du pays, et c'est finalement ce système éducatif-là qui a donné lieu à ces divisions-là, je veux dire. En fait, c'est la continuité du colonialisme français, d'une part, qui a fait que, voilà, on a été éduqués dans les écoles des missionnaires français à, on va dire, renier notre propre identité, je veux dire, en tant que paysans. La plupart des Libanais, c'était des paysans.
Donc, il fallait devenir citadin pour être à la hauteur, donc d'où exode rural et tout ça. Et il fallait aussi parler français et donc oublier l'arabe, quoi. Sinon, on allait obtenir un signal. À mon époque, j'étais dans une école française de sœurs. On nous donnait un signal si on parlait français dans la cour, arabe dans la cour, libanais, quoi. Donc, ça, c'était le début. Et après, bon, il y a eu toutes les peurs qui ont été générées donc d'une communauté contre l'autre par les hommes religieux, sûrement, mais aussi par les chefs politiques pour pouvoir mieux donc perpétuer leur pouvoir contre les autres. Donc, on s'est rarement en fait retrouvé à une période de notre histoire où les chefs politiques voulaient vraiment être avec l'autre et pas contre l'autre. À chaque époque, il y avait toujours une peur qu'il fallait créer pour maintenir ces dissidences-là. Et tout ça, ça a toujours été nourri par l'école, quoi. Donc, c'est des écoles qui sont cantonnées. Et maintenant, on a des écoles chrétiennes, des écoles musulmanes, des écoles druzes, des écoles, bon, laïques. Mais même dans ces écoles laïques, hier même, mon fils qui est au grand lycée, Achrafieh, la maîtresse, sa maîtresse, donc leur disait que, en fait, oui, c'est pas bien de porter le voile à l'école. Bon, on est au Liban, même si on est dans un lycée français. Et puis mon fils, en fait, qui discutait, qui disait, mais pourquoi, en fait, ça fait partie de la société libanaise? Comment on peut interdire à des personnes en fonction de leurs vêtements, quoi? Mais c'est islamophobe, ça. Et puis tous les autres disent non, 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 c'est pas contre les musulmans, non, c'est normal. C'est l'école qui nous dit en fait, même une école soi-disant laïque, hein, au lieu d'ouvrir un dialogue rationnel et puis qui nous ressemble. C'est pas parce qu'on est dans un lycée français qu'il faut faire comme les Français, ça n'a rien à voir avec notre société. Donc est-ce que l'école doit être le miroir de la société ou elle devrait être un agent de changement social? C'est ça. L'école n'a pas encore vraiment été un agent de changement social au Liban, surtout après la guerre. Avant la guerre, l'école publique a été un espace de rencontre et réellement de découverte, parce que c'était des enseignants qui venaient un peu de toutes les régions. Ils étaient affectés dans des régions éloignées de leur propre région. Il y a des élèves qui grandissent sans avoir connu d'élèves d'une autre communauté, dans un pays comme une peau de chagrin, quoi. Que veut dire être libanais? Aujourd'hui, qui peut le dire? Qui? La concrétisation la plus rudimentaire, je veux dire, d'une identité, c'est quand même les tenues folkloriques. Dites-moi, quelle tenue folklorique est conventionnelle au Liban? Quand on va en Bavière, en Allemagne, on connaît. Pour les hommes, il y a cette tenue-là. Pour les femmes, il y a cette tenue-là. Ça s'appelle Bayerisch. Ici, c'est quoi? C'est quoi la tenue folklorique? Donc, même au niveau de notre histoire, on n'est pas d'accord sur quelle est notre tenue folklorique. C'est pas ça le fond des choses. Le fond des choses, c'est quelle société on veut, quel être humain, quel citoyen de demain on veut. C'est là que ça se passe, quoi. Et c'est là qu'on a besoin de faire un dialogue réel et de s'écouter les uns les autres, puis de. C'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Il y a des pays où il y avait beaucoup plus de conflits que nous, et puis ils y sont arrivés. On n'est pas prêt à vraiment faire un pas vers l'autre parce que c'est pas là les intérêts des politiciens. Leurs intérêts, c'est ailleurs. Donc leur intérêt, c'est pas de sauvegarder l'existence d'un pays, c'est de sauvegarder leurs propres intérêts. Et donc, on ne veut pas d'eux, en fait. Ce n'est pas les bonnes personnes, je veux dire. Ce n'est pas les bonnes personnes. Donc, ce n'est pas à eux de tracer notre avenir, c'est à nous. Et donc, j'y crois très fort, en fait. Et bon, malgré toute la dépression qu'on a vécue après l'explosion et tout ça, mais il y a une énergie, il y a comme ça. Il y a une force. Il y a une force dans l'âme de ce pays qui fait qu'il ne mourra pas. Il ne va pas mourir. Chaque année, aujourd'hui, il y a quelque chose comme 15 000 jeunes couples qui vont faire un mariage civil en dehors du Liban.
Et c'est très prometteur, ça, je veux dire. Vous voyez, à part les personnes qui maintenant vivent en concubinage et qui choisissent de ne pas se marier, en fait, ça devient de plus en plus courant aussi parce qu'on veut pas, on est émancipé, on ne veut pas se laisser en fait gérer sa vie par les religions, quoi. Voilà, donc, et puis avec ma famille, voilà, j'ai 3 garçons, et puis je me suis divorcée récemment. C'est tout le comble de l'émancipation. Voilà, ça se répercute sur tous les aspects de la vie finalement. C'était Yarné, aux confins des identités, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur YouTube et sur le site de l'Agenda culturel.